À partir du verset 22e. Aussitôt après, il obligea, je lis rapidement en français. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Tu peux souligner, il était là seul parce que ça aura son sens dans quelques minutes. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, tu peux souligner, il commençait à s'enfoncer, ça aura son sens dans quelques minutes. Il s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il y a des gens qui ne te croiront jamais si tu n'as jamais passé à l'action. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Aucune destinée ne se révèle par des bonnes intentions. Si tu n'as que des bonnes intentions, des belles idées, des bons projets, ta destinée ne va pas se révéler. Tu dois passer à l'action. Quelqu'un a dit, vaut mieux une vie passée avec des erreurs, des fautes, des défauts, qu'une vie passée sans rien faire. Un autre a dit, vaut mieux décider mal que de ne jamais prendre une décision. Ok? Il faut quand même prendre une décision. Je vais te montrer pendant quelques minutes quelques raisons pour lesquelles vous devez passer à une vie d'action. Quelques raisons pour lesquelles tu dois agir. Il faut que tu agisses. Beaucoup de chrétiens sont devenus des attentistes. Ils réagissent aux événements de la vie. Ils attendent que les événements arrivent avant qu'ils réagissent. Non, tu dois apprendre à anticiper les choses. Bon, je vais parler de ça autrement. Aucune défenseur n'a jamais remporté le prix des meilleurs buteurs. Prophète Azomi na Gemena. Toki na linga la facile. Amen. Défenseur mon côté batika la coupe ça y est coupe to trophée la meilleure buteur. Osu le Congo. Amen. Meilleur buteur dans la plupart des cas à Rakaba, attaquant. J'attends quelqu'un dire amen. Et le royaume de Dieu, c'est pour les attaquants. La Bible dit ce sont des violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des attaquants. Et tous ces mondes qui ont fait l'histoire avec Dieu, c'était des hommes et des femmes qui attaquaient. Qui prenaient des initiatives. Qui savaient anticiper les choses.
qui agissait. Le ciel bouge en fonction des mouvements que nous faisons sur la terre. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas de réponse au ciel. Gédéon était là. Oublié dans le pressoir de blé. Ok? En train de presser les blés là-bas. Et pourtant, c'était l'homme solution, l'homme qu'il fallait. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange du Seigneur va apparaître. Là où il était. Ça s'appelle la théophanie. L'apparition de Dieu sous forme des anges. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Lui apparaît. Il dit vaillant héros. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. Comment ça? Si il était avec moi, pourquoi tout ceci m'est arrivé? Tu peux avoir Dieu, mais certaines mauvaises choses t'arrivent. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est tout simplement parce que tu es trop attentiste. Tu ne frappes pas. Et dans un match de football, l'équipe qui attaque, c'est l'équipe qui fait changer les scores. Mais l'équipe qui est défensive, c'est une équipe qui, soit tu s'attends à un match nul, il fait garder les scores qu'il a. Beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. Trop défensif. Au moins l'église, il y a des gens qui viennent à l'église par peur, non par amour. Ils servent Dieu par peur. Il a peur. S'il ne sert pas Dieu, il sera exposé. Mais aussi d'autres personnes qui servent Dieu par amour. Il vient à l'église par amour. Parce qu'il aime Dieu. Ces gens pareils, ils ne s'arrêtent jamais. Quel que soit le temps et les circonstances. Trois buts dans ce message. Amen. Amen. Le tout premier but, c'est que tu comprennes plus que jamais tu dois agir. Et ça, tu as eu tellement de prophéties que calamité va craquer. Ok? Tu as tellement reçu des choses que tu n'utilises pas. Par rapport à la capacité à identifier les talents de Mathieu Katinayo et qu'on mette en moi en pratique. Amen. Ok? Il y a 50 ans, Chine était moins que nous. Mais la Chine a pris rendez-vous avec lui-même. Elle a travaillé ses dons et ses talents. Et aujourd'hui, la Chine s'expose. Et s'impose. J'attends quelqu'un dire amen. Pour ba songa ki katina bango, ba luki ba talent, ba capacité bazanango. Oui, mais ceux qui ont besoin de rendez-vous na yo mokoti. Où ça la prise de conscience. Où ça on va en français ba état généraux. Où ta la tu es capable en quoi? Tu vas commencer à penser comme si le meilleur c'est seulement ce que l'autre fait. Pour banako cassette, moto o alekeza o a perso ça. Voyez? Tu n'es plus quelqu'un qui doit suivre les autres. Mais Dieu veut faire de toi la personne qu'on doit suivre. Mais si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu seras un suiveur aveuglé. Parce que tu es ignorant de tes valeurs. Tu dois agir. Deuxième but poursuivi dans ce message. Et que tu saches que lorsque tu te lèveras pour agir, tu auras deux combats.
premier combat, c'est contre toi-même. Le combat de l'esprit de la perfection. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut que tous les éléments soient réunis pour que j'agisse. Non, monsieur. Bon, non, madame. Il est là comme quelqu'un qui veut traverser le boulevard. Il attend avec toute logique que tout le feu s'allume. J'attends le feu vert. Mais laissez-moi te dire, en plein traversée du boulevard, il y a aussi d'autres qui n'attendent pas le feu vert. Ils traversent. Dis à ton voisin, bouge. N'attends pas que tous les éléments soient réunis. Le temps n'est pas ton ami. Dieu peut te pardonner. Les hommes peuvent vous pardonner. Mais là, je ne pardonne pas. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Même avec des erreurs. Fais aujourd'hui. Même avec des fautes. Tu comprends trop comme à quoi la défense à Ista. À toi et bien au français, t'es. Allons, Inaye. Elle est qui n'ango? Comment tu dis qu'on ne va pas me soutenir pendant que tu n'as pas encore agi? Il y a des gens qui traitent les problèmes qui n'existent pas. Il y a des gens qui ont frère, moi, quoi. Je suis dans la réunion avec les jeunes. J'ai parlé sur. Comment faire les choix dans les mariages et consorts. C'était une conférence débat. Un frère s'est levé. Ami, mes pasteurs. Mais moi, quand j'ai vu ce temps, on l'a bien dit. Même si on a l'obé, on a ça le choix pour la balle. Et puis, bon, on a le balle. On a le zombo, on a le balle. Même si on a le zombo, on a le balle. On a le botti. Si on parle à moi, on va il y a des gens qui cherchent à résoudre des problèmes qui n'existent pas. Tu commences à développer des illusions comme ça. J'ai compris tout simplement que ce frère a été vaincu par l'esprit de procrastination. Tu vois, l'esprit de procrastination. C'est un esprit qui te pousse à renvoyer au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont jamais pressés. C'est quoi cette histoire? Dis à ton voisin, comment tu es trop lent comme ça? Et à ton âge ici, tu es trop lourd pour agir. Deuxième esprit, deuxième combat que tu vas livrer, lorsque tu te lèveras, c'est le combat des opinions des autres. Ah oui, il y a des gens qui sont tellement esclaves des ondits. Quand je me lèverai, quand je ferai ceci, qu'est-ce que les gens diront? Tu connais bien ça, tu vas respecter, tu poses le cabas respecter.